Un télégramme pour Georges Martin. Monsieur Martin, c'est la maison à côté. Je peux aller lui porter si vous voulez. D'accord, tu signes là. Voilà. Oh, oh. Hé, hey, monsieur Martin. Monsieur Martin. Ah, oups. J'ai un télégramme pour vous. Ah oui, donne-moi ça. Vous avez gagné le premier prix du concours organisé par la Société des oreillers Doudodo. Oh, j'ai gagné! J'ai gagné! C'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Ils disent que vous devez aller chercher votre prêt à l'aéroport. Ça doit être des billets pour un grand voyage. À l'aéroport? Mais bien sûr, ça me revient maintenant. Le premier prix, c'était une semaine pour deux aux îles Hawaï. Oh, oh, je peux vous accompagner à l'aéroport? Bien, pourquoi pas. De toute façon, rien ne pourra altérer ma bonne humeur. Je suis Georges Martin. Je viens chercher le prix que j'ai gagné. Oh oui! Nous vous attendions. Nous étions impatients de vous le remettre. Tu imagines, Denis, Hawaï, les plages de sable blanc, la douce chaleur qui endort les rhumatismes, l'eau claire, les danseuses hawaïennes. Oh, c'est bizarre. J'aurais pensé que la plage était bien plus calme que ça. Oh, oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est votre prix, cher monsieur. Une authentique productrice du doux, du vin, du doux, du doux. Bah, il y a erreur. Le prix, c'était un séjour pour deux aux îles Hawaï. Oh, non, non! Le séjour d'Hawaï, c'est le second prix du concours. Cette précieuse productrice de duvet, le premier prix. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse du noir? Il fallait penser à cela avant de participer à ce concours. Oh, regarde, elle vient de pondre un œuf. Tu vois, elle doit se sentir bien ici. On lui a donné un nom, c'est Georgette. Les animaux sont guère heureux en cage. Elle a dû pondre son œuf par erreur. T'as raison, Bibi. Elle serait bien mieux à courir dans une ferme à la campagne. Il faudrait que Monsieur Martin soit d'accord. On peut très bien arranger ça sans l'avis de Monsieur Martin. Attends un peu, Denis. Je crois que j'ai une idée. C'est vraiment la sœur jumelle de Georgette, ton invention. Mais les œufs, là, ça va servir à quoi? Les œufs, c'est pour tromper les nids. On les place là et grâce à ce système radiocommandé, tous les matins, Georgette numéro 2 pondra un œuf. Ça va rendre fou de rage, monsieur Martin. Allez, on fait l'échange. Viens, ma petite Georgette. Tu vas connaître la vraie campagne. C'est l'heure du déjeuner, Georgette. Oh, oh, attention, monsieur Martin arrive, on ferait mieux de se cacher. Quelle gageure, voilà un ronchon comme moi avec une voix comme ami. Peut-être qu'on arrivera à s'entendre. Oh, c'est bien ça, elle m'adore. Elle s'est sauvée, il faut l'arrêter, Bibi. J'essaye. Les commandes sont complètement déréglées. Tu ne pourras pas aller bien loin, gros sac de duvet. Tu vas voir, espèce de sac à plumes. Oh. Ah non, elle est en train de dévaster mes pécunias, ça suffit. Tu vas voir de quel bois je me sauve, futur canard laqué. Oh, no! Oh!
sans rien pour attendre, va. Oh non! Attention les enfants, c'est l'heure de folie de Georgette. Je vais en faire une fricassée. Oh non, monsieur Martin, faites pas ça. Oh, je l'ai. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, monsieur Martin. C'était pas Georgette, c'était un robot. Je voulais emmener Georgette à la campagne chez oncle Charles. C'est pas une vie pour elle de rester enfermée dans une cage. C'est pour ça que j'ai fabriqué Georgette numéro 2 à la place. Alors, Georgette n'est pas... Mais non! Allez, viens, Georgette! Georgette, oh, je suis si content de te revoir! Oh, je crois qu'elle m'aime beaucoup! Oh, Denis! Je te remercie beaucoup d'être venue, Nina. Denis s'enivre à moi avec toi. Oh, ça me fait très plaisir. Allons, Denis, ne nous fais pas perdre de temps, tant Evelyne doit nous attendre. Oh, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Arrête de faire ta mauvaise tête, voyons. Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit père? J'ai pas envie de sortir. Vous avez vu quel déguisement je porte? J'ai honte de me montrer comme ça devant tout le monde. Tu as vu le mien, j'ai l'impression d'être un singe de cirque prêt à faire un numéro. D'accord. Bravo, monsieur, ça fait plaisir de pouvoir compter sur des gens aimables. Oh, t'as vu ça? Une porte tourniquet. Tu es prêt à faire un tour de manège? Youpi! Sacré mort, il faut bien qu'il s'amuse un peu, hein. Oh! Elle est pas là, tante Evelyne? On s'est donné rendez-vous ici, dans le hall d'entrée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vaste. Monsieur Baron est demandé à la réception. Monsieur Baron, à la réception, s'il vous plaît. Je crois que j'ai trouvé une idée. Tante Evelyne, tu viens à la réception? S'il te plaît, tante Evelyne, on t'attend à la réception. Et tu cherches après tante Evelyne, c'est bien ça? Oui. Vous savez où elle est? Il y a du mot, ce petit. Tiens, voilà le message. On dirait un code. J'adore ces trucs. Denis! Quel plaisir de te voir, mon petit bonhomme. Tu es adorable. Oh, oh, vous voilà, chère Evelyne. Denis vous a trouvé, c'est parfait. Quand on est aussi imposante qu'elle, on ne passe pas inaperçu. Ah, je meurs de faim si nous allions bavarder autour d'un bon déjeuner. C'est ça. Je meurs de faim, moi aussi. Mais qu'est-ce qui t'a pris de donner le message secret à ce gamin? T'es devenu complètement malade. Bah, je pouvais pas deviner qu'il était pas dans le coup. Il avait donné le mot de passe à tante Evelyne. Maintenant, t'as intérêt à le récupérer et au plus vite. Par n'importe quel moyen. C'était bien bon. Merci, tante Evelyne. Est-ce que tu peux me donner quelques pièces, maman? On voudrait faire quelques parties aux jeux vidéo. Laisse-moi faire, chère Alice. Il est adorable, c'est un amour de petit garçon. Tiens, mon biquet. Oui, super, merci, tante Evelyne. Ça me fait très plaisir, mon chéri. C'est bon, je vais pouvoir m'occuper d'eux. Oh, s'il vous plaît. Une autre tasse de café, je vous prie. Mina, avec ce costume, elle te prend pour le serveur, vas-y. Voilà, 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 madame. Oh, mais mon Dieu, que faites-vous donc? Oh, bien, pardon, excusez-moi, madame. Quel dommage, dans ces hôtels ultramodernes, le service laisse de plus en plus à désirer. Oh, 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 regarde ça, ils ont même prévu une piscine pour les homards. Oh, il y en a un qui fait drôle de tête. Je crois que je pourrais en acheter avec ma pièce. Oups. Elle a roulé par là. Mmh.
Mais que se passe-t-il? Je trouve que ces serveurs font un sacré remue-ménage. Oh, je suis rassurée, Denis n'est pas là. En général, il est toujours à l'origine de ce genre de désordre. T'as vu la rampe d'escalier? C'est le modèle olympique. Qu'est-ce qu'on attend pour l'essayer? Vous êtes cuits, les mômes. Je suis fin prêt pour la réception. C'est ce qu'on appelle un service bien fait. Hey, vous savez ce qui est arrivé à l'autre portier? J'en sais fichtrement rien, je le remplace, c'est tout. On va pas se laisser prendre à leur petit jeu. Ah, super! Ils veulent continuer à jouer avec nous. Cet hôtel a vraiment tout prévu pour les enfants. On joue à cache-cache? Ils sont en train de nous filer entre les doigts. Tu nous emmènes à quel étage? Tous! Ils vont jamais nous trouver. Code enregistré. Ils vous donnent accès au service sécurité. Troisième sous-sol. Oh! On l'a détraqué. Accroche-toi, Nina. Ouais, je m'accroche. Oh, ben où est-ce qu'on a atterri? Eh ben, j'en sais rien, mais on y est. Et il y a un tas de bonnes cachettes. Oui. Je crois qu'on devrait en trouver une. J'entends les autres qui arrivent. Je me demande bien comment ils ont pu venir jusqu'ici. Ils sont forts, ces petits garnements. On a intérêt à mettre la main sur eux rapidement. Il doit bien y avoir un interrupteur quelque part. Hé, je l'ai trouvé. Regarde, c'est le portier qui était si sympathique. On dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? J'ai été kidnappé et on m'a enfermé ici. Il faut prévenir la police. D'accord, on va le faire. Oui, vite, allez. Vous n'êtes qu'une bande d'idiots. Qu'est-ce qui vous a pris? Donner le code secret à deux petits gosses? Mais c'est n'importe quoi. Ben, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné le mot de passe, alors moi, Oh, ça a l'air d'être un code important. Sans ce code, je ne peux pas me brancher sur le réseau de télévision et transmettre mes signaux de brouillage à ultrasons. Brouillage à ultrason? Moi, j'aime pas du tout ce genre de trafic. Je sais pas ce que ça peut être, mais ils ont l'air brouillés avec tout le monde. Non, ce nouveau système est génial. Avec ça, le monde entier sera à mes pieds et répondra à mes désirs les plus fous. Je serai le maître absolu. Trouvez-moi ces mots, vite! Non, mais il est complètement siphonné. C'est le genre de fou dangereux. Ah oui? Hein? Je les ai. Très bien, reprenez le code maintenant! Entendu, les petits? Oh! Non! C'est fini la partie de cache-cache! Y'a plus une seule cachette, t'es pris au piège! Ah. Oh. Oh. On ne touche pas à mon copain Denis! Bien joué, Nina! Je vais m'occuper de vous, espèce de malotru! Oui! Yuppi! Attention de vous, je m'arrêterai pas! Mais il est fou, ce monde! Au revoir, et à plus tard! Il faut trouver un moyen de sortir d'ici! En dehors, on peut rien faire, il n'y a pas d'autre porte. On pourrait lancer un SOS à la télévision, ça marche ces trucs-là. Tu sais faire ça, toi? Je vais essayer de me servir du fameux code secret. Il va bien se passer quelque chose. Ah, Denis, ça marche! C'est génial! Vite, lance ton message! Attention, s'il vous plaît, votre attention. Je suis Denis Michaud. Et moi, Nina Gilotti. Nous sommes enfermés au troisième sous-sol de l'hôtel. Nina et Denis ont disparu. Je me demande bien où ils peuvent être. Ne t'inquiète pas, Alice. Ce sont des enfants. Ils doivent s'amuser. Avec Denis, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oh, un
Alice, pourquoi m'as-tu caché que ton petit Denis était une star de la télévision? Hein? Une star de la télévision? Dépêchez-vous, on va pas pouvoir résister aux bandits très longtemps. Ils sont pas d'humeur à rigoler, vous savez. Ils parlent de bandits? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est fini, les enfants, on ne joue plus. Vous nous avez fait perdre assez de temps. Emparez-vous d'eux et qu'on en finisse une fois pour toutes. Qu'on en finisse. Effectivement. Sale gosse. Sale gosse. C'était bien pensé, les enfants. La télévision, c'était le seul moyen. Et t'as entendu ça, maman? On nous l'a vu à la télé. Je suis au courant. Je t'ai vu. Ouais, mais nous, on s'est pas vu. Ne soyez pas déçus. Je suis sûr que vous allez passer vos infos de ce soir. Ça nous arrange pas. C'est trop tard pour nous. On doit aller au lit. Eh bien, pour une fois, nous ferons une exception. Vous l'avez bien mérité. Ouais, c'est vert. On va se voir. Oh, ah, l'amour. Tu es vraiment un petit garçon adorable. Arrête, tante Evine, tout le monde nous regarde. Oh, dis donc, Denis, c'est quand même plus agréable que d'être capturé par des bandits. Eh ben ça, c'est toi qui le dis. Où vas-tu, mon petit ange? Reviens, voyons. Et voilà, Clancy qui atteint la 15e. C'est une remontée absolument fantastique. Oui. Ah oui, Clancy a gagné. Ce nouvel écran de télévision nous donne vraiment une très belle image. Tu ne trouves pas, Henri? Oh, écoute, c'est vraiment formidable. On se croirait presque sur le terrain avec le joueur en chair et en os. Oh, pauvre Denis. Il a l'air de s'ennuyer tout seul dehors. Tu pourrais peut-être aller jouer avec lui. Je vais y aller, Alice, dès que le match sera terminé. 106. Je deviens bon. Denis, le plus grand shooter de tous les temps. Oui, mais j'ai personne avec moi. C'est toujours comme ça quand la saison commence. Personne ne joue plus au football. Ils ont tous le nez collé sur la télé. Si cet essai est transformé, c'est la victoire. Oh non! C'est bien ce que je disais, on s'y croirait vraiment. Non, c'est simplement Denis. Et papa, t'aurais pas vu mon ballon? Ah si, je l'ai vu au milieu de 36 chandelles. Ah, t'as vu ce que t'as fait dans mon nouvel écran? Henri, tout ceci ne serait pas arrivé si tu étais allé jouer au ballon avec lui. Oh! Elle a raison, papa. C'est pas ma faute. C'est une conspiration. Bien, c'est d'accord. Nous allons faire une partie de foot. Oui, ça va être super. Je me le demande, oui. Vas-y, Denis, tu me lances. Attention à la réception. C'est un sacré coup de pied. Il n'y en a qu'un qui peut me faire ça. C'est ce bon sang de petit voyou de voisin. Il faut dire qu'avec le père qu'il a... Vous êtes dans le coup. Excusez-nous, Georges. On peut dire tel père, tel fils, n'est-ce pas? Vous voulez bien nous rendre la balle? Tenez, la voilà. Seulement, dites-vous bien que la prochaine chose qui atterrit dans mon jardin, je l'enferme dans mon garage. Je me suis bien fait comprendre. Oh, c'est très clair, Georges. Si le père s'en mêle maintenant... On recommence, Danny. Mais on évite de l'envoyer dans le jardin de Monsieur Martin. D'accord, papa. Va te placer là-bas. Oh, c'est bien, Danny. Joli. Ça recommence. Excusez-moi, Georges, je manque vraiment beaucoup d'entraînement. On m'avait dit que ce produit me débarrasserait des indésirables. Dis donc, heureusement qu'il t'a pas enfermé dans son garage comme il l'avait dit. Heureusement, il y a des choses qu'on dit mais qu'on ne fait pas. Je connais un jeu super, on va pouvoir y jouer tous les deux, papa. Suis-moi, je vais te montrer. Tu dois faire tout ce que je fais. Donnie, reviens. Oui. Allez, papa, c'est bon pour la forme. Non, Denis, reviens, je suis trop vieux pour ce genre de jeu. Tu trouves... Non,
Qu'est-ce que je disais? Pardonnez-moi, cher monsieur, vous n'auriez pas vu passer mon fils par hasard. Il est haut comme trois pommes, il porte une salopette rouge... Et il fait au moins du 34 de pointure. Oui, c'est lui. Ouais, ben, il est parti par là. Oh. Oh, Danny, attends-moi! C'est super de jouer avec toi, tu sais, papa. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? On rentre à la maison. Tu sais, papa, si on traverse le pré, ben c'est plus agréable et on arrive encore plus vite. Mais c'est beaucoup plus long par là. Mais comment pourrait-on arriver plus vite? Il va nous aider, lui. Viens par là, Denis. Même sans entraînement, t'arrives à le semer, hein? Oh, c'est vraiment très gentil de ta part d'aller jouer avec notre Denis. Il n'est pas question que j'aille jouer avec Denis. Je vais faire une partie avec notre ami Georges. Avec Georges? Oui, oui, regarde bien. Oh, bon sang, encore vous? Oh, je vous avais prévenu, Henri. Papa, où tu es? J'ai apporté un tas de jeux. Ouh, papa. Jamais je n'aurais pensé qu'être enfermé dans le garage de Georges serait un tel plaisir. Et le voilà qui passe la ligne des 30, 40, 50, 60. Il va le faire, il va le faire. Oui, ça y est, je vous...